Bonjour à tous. Nous voilà prêts à vous dévoiler les produits qui composeront le dernier trimestre 2024 en magasin du 1er octobre 2024 au 12 janvier 2025. Découvrons d'abord la collection de saison qui sera en magasin durant tout le trimestre. Elle mettra en avant le jambon cru et deux ingrédients de saison, la figue et la noisette. Nouveauté dans nos vitrines, le wrap chaud. La recette, inspirée de la street food, mêlera effiloché de bœuf, fromage râpé, cornichon, vinaigre balsamique et oignon rouge. L'effiloché de bœuf est cuit lentement et à basse température, ce qui permet d'obtenir une viande très tendre et savoureuse. Côté vitrine, afin que nos clients puissent voir le contenu de la recette, il est important de positionner un wrap coupé en deux dans une boîte craft, comme pour un wrap froid. Le reste des wraps chauds pourra être proposé roulé, non coupé. Cette disposition permettra une réchauffe facile et plus maîtrisée, conservant toutes les saveurs dans le wrap. L'effiloché se décline en salade. Le mélange effiloché de bœuf, ketchup, cornichon, vinaigrette amène une touche d'originalité et de sucré salé à la recette. Suite au succès du hot dog cheddar lors du trimestre 1 2024, cette recette se décline sous une nouvelle version feuilletée très gourmande. On y retrouve la traditionnelle association moutarde-ketchup d'un hot dog, mais le feuilletage apporte une texture nouvelle à cette recette. Ce format, plus petit que la recette du premier trimestre, permet de l'inclure dans le menu déjeuner 1 et d'offrir une nouvelle proposition dans notre menu d'entrée de gamme. Il est idéal en guise de quatrième article pour les très grosses faims. Ce trimestre, le fromage blanc s'habillera de compoté de mangue. La figue est le fruit délicat et parfumé de l'automne par excellence. À vous de dresser vos plus belles tartelettes figue-amande pour habiller vos vitrines. La saison de la figue étant courte, cette recette sera à mettre en avant jusqu'à la fin de la disponibilité de ce fruit aux alentours de novembre. Le macaron 80 g revêtira ses habits d'automne en se déclinant en version pralinée noisette, une saveur gourmande et régressive qui rappellera la pâte à tartiner. Recette iconique des coffee shops. Le cinnamon roll profite du quatrième trimestre pour s'installer dans nos vitrines. Il arrive clé en main, surgelé, avec son subtil parfum de cannelle. À noter qu'il nécessite l'ajout d'un glaçage en magasin. Ce cinnamon sera parfait en accompagnement d'un mocha noisette, nouveauté boisson de la période. À côté des produits de saison, des thématiques mensuelles viendront animer le commerce en magasin. En octobre, c'est le retour d'Octobre Rose. À l'occasion d'Octobre Rose, cette année encore, Paul est solidaire. Pour la vente d'un gros macaron framboise, 1 euro est reversé à l'association Mon Bonnet Rose, qui soutient les femmes atteintes d'un cancer du sein. Objectif 2024, 50 000 euros de dons, soit 6 000 euros de plus qu'en 2023. Les mois de novembre et décembre seront l'occasion, pour la deuxième et dernière année, d'inviter nos clients à faire un tour dans notre carrousel de Noël. Notre carrousel de Noël met en avant la couleur rose, couleur que nous avons choisi de décliner dans la gamme traiteur. Le sandwich jambon cru mozzarella joue la carte du sucré salé grâce à un pain à la figue. Cette recette se rendra visible dans nos vitrines grâce à un pain de couleur rose, rendu possible grâce à l'ajout d'un colorant betterave qui n'apporte pas de goût supplémentaire à la recette. Afin de faciliter les process en magasin, le pain sandwich ne sera disponible qu'en version surgelée, pas de version fournil proposée. Le sandwich se composera de jambon cru, de mozzarella, d'une tartinade nature, de pousses d'épinards, de choux rouges et d'un trait de vinaigre balsamique pour donner du peps. La déclinaison en salade se composera des ingrédients du sandwich et également de quinoa, de ciboulette et de betterave chioggia, une variété de betteraves roses et blanches. La pizza se compose de jambon cru, de mozzarella, de tomates cerises, de fromage râpé et de mix épices. Pour les amateurs de poissons, pensez à remettre en avant le Nordic Avocat, dont le format et la recette ont beaucoup plu à nos clients l'année passée. Pain surprise, choux, petit four, pain hérisson, canapé et navette. Comme chaque année, vous disposez d'une gamme complète de gourmandises salées, prêtes à illuminer les tables de nos clients. À noter, les préfous,
navettes par 42 pièces et les mini-cakes salés sortent de la gamme cette année faute de performance commerciale. Côté viennoiserie, le Bonhomme de Neige, produit phare de la collection de Noël 2023, s'invite de nouveau dans nos vitrines. Comme l'année passée, la pâte à glacer ivoire est réalisée en faisant fondre du chocolat blanc. Sur la période, nous retrouverons évidemment notre cher petit Paul, à mettre en avant particulièrement le vendredi 6 décembre pour la Saint-Nicolas. Le panier feuilleté choco-noisette rentre dans la tendance forte des produits déclinés à partir de pâtes à croissant. L'année dernière, il a su trouver sa clientèle. Ses performances commerciales justifient donc sa remise en avant cette année. Les briochettes nature, sucre et pépites de chocolat ainsi que les couronnes briochées seront disponibles pour les petits déjeuners de nos clients. À noter, les couronnes briochées feuilletées sortent de la gamme. Boisson chaude de Noël 2023, l'onctueux Forêt Noire sera disponible en optionnel sur novembre et décembre. L'indémodable association chocolat cerise à redécouvrir en boisson. Elle est composée d'onctueux, de chantilly en bombe, de copeaux de chocolat et d'un coulis de cerise intense en goût. La sauce cerise est en écoulement sur entrepôt. Côté pâtisserie individuelle, les bûchettes contemporaines font leur entrée dans la gamme. Elles sont idéales pour faire découvrir en avant-première les saveurs de nos bûches. À noter que les bûchettes individuelles sont de plus en plus plébiscitées par les clients à Noël à la place d'une bûche 4 ou 8 parts, puisque ce format permet de diversifier plus facilement les parfums. Elles sont livrées clé en main avec une semelle dorée. Les traditionnelles bûchettes roulées seront bien sûr de la partie avec les parfums framboise, chocolat et café. Initiées l'année dernière, désormais, les bûches contemporaines, les bûches roulées et les bûches façon Charlotte pourront être vendues à la part, idéales pour écouler les bûches en format familial, non vendues la veille. Chez Paul, la gamme des bûches familiales est articulée autour de quatre familles, les contemporaines, les plus faciles à remettre en œuvre. Quasiment livrées prêtes à vendre, elles ne nécessitent qu'une décongélation et doivent simplement être décorées. Elle marie saveurs et textures variées en jouant avec des inclusions ou des fantaisies dans les biscuits. Légères et sophistiquées, elles sont au cœur des attentes des consommateurs en période de fête. Les bûches lingots, elles sont réalisées à partir des entremets cadres surgelés, sublimés grâce à une finition actuelle et très accessible. Les roulées tradition, vous les connaissez, elles nécessitent un peu plus de temps et de savoir-faire pâtissier que les contemporaines clés en main. Avec leur mousse ou leur véritable crème au beurre, elles répondent à des consommateurs en quête de tradition et d'authenticité pendant les fêtes. Les trois parfums habituels vous sont proposés, chocolat, café et framboise. Les rouleaux proposés vous permettront de vendre les formats 4 et 8 personnes. Les grandes classiques, les merveilleuses s'adressent à des magasins dotés d'un véritable savoir-faire pâtissier. Les Charlottes sont plus accessibles en termes opérationnels. Elles permettent d'apporter de la fraîcheur en vitrine grâce à leur abondance de fruits frais. Elles raviront les consommateurs en quête de légèreté et de fraîcheur à la fin de leur repas festif. Zoomons sur les bûches contemporaines. La bûche carousel allie à merveille notes douces et notes acidulées. Elle se compose d'une dacquoise surmontée d'un croustillant gourmand au chocolat blanc. Sa mousse crémeuse aux fruits rouges est garnie en son cœur d'un insert au parfum acidulé. Côté déco, son glaçage rouge éclatant n'échappera pas à nos clients en vitrine. Pour les amoureux de douceur, la bûche gourmande allie biscuit madeleine, mousse à la vanille de Madagascar, insert au caramel coulant et aux éclats de noix de pécan et croustillant pécan. Notre bûche gourmande est un vrai câlin pour les papilles de nos clients. Enfin, vous retrouverez l'incontournable recette tout chocolat avec son association chocolat-noisette. Cette bûche est composée d'une génoise cacao, d'une bavaroise au chocolat 70% et d'un croustillant au praliné feuilleté dont petits et grands raffolent. Clin d'œil à notre petit Paul brioché, un petit bonhomme en chocolat s'invitera dans la décoration de la bûche. Cette année, la Sainte-Sylvestre n'est pas en reste et aura le droit à son entremets dédié. Sur base de l'entremets mousse au chocolat habillé d'un glaçage rocher, une horloge en chocolat blanc viendra décompter les minutes avant minuit. Le petit conditionnement par 10 horloges permettra même au petit magasin de proposer ce nouvel entremets à mettre en avant pour le 31 décembre.
Plébiscitées par nombre d'entre vous, les verrines sucrées clés en main seront disponibles pour la gamme réception de cette fin d'année. Les quatre saveurs plairont au plus grand nombre grâce à ses parfums chocolat, mangue passion, framboise crème brûlée et pomme vanille caramel. La vente pourra se faire en assortiment de 12 verrines. Un code sera également disponible à l'unité pour des demandes inférieures. Vous réceptionnerez des colis de 36 verrines, ce qui permet de constituer 3 assortiments. Pratique en termes de réactivité, le nouvel assortiment de Mignardise Prestige offrira une solution de petit four sucré clé en main. Un colis de 48 pièces correspond à 2 assortiments. À noter que le conditionnement nécessite tout de même de transvaser les Mignardise sur le plateau plié noir utilisé pour notre gamme réception pour la vente aux clients. Bien sûr, l'ensemble de la gamme de pâtisserie réception reste disponible avec notamment les plateaux de 16 mini tropéziennes, les plateaux de 12 mini tartes au sucre, les assortiments de 20 Mignardise sucrés ou encore les pyramides de macarons. Le coffret de mini macarons s'habillera, cette année encore, d'une bague pour un look plus festif. Côté boulangerie, vous êtes magasin Fournil ? Jouez avec la variété de recettes et de formats disponibles dans la gamme pour animer votre boulangerie en période de fête. Faute de volume suffisant, la figue sec en cube ne sera pas disponible sur entrepôt. Cette année, le pain grainé figue 400 g ne sera disponible qu'en version surgelée. Pensez également au pain d'épices, disponible exclusivement en version surgelée. Il complétera parfaitement votre offre sur la fin d'année. Vous ne disposez pas de Fournil ? Voici un rappel des références surgelées disponibles dans chacune des gammes. Attention, mis à part le pain de mie et de seigle, toutes les recettes surgelées sont soumises à réservation pour l'opération de fin d'année. Dernier tour de manège, passons en revue les produits disponibles en épicerie. Déjà présents l'année dernière, les sablés à la vanille refont leur apparition pour Noël. Cependant, suite à des retours alertants sur un nombre important de casses des biscuits dans les sachets, un nouvel emballage plus résistant a été sélectionné. La recette des biscuits reste, quant à elle, inchangée. Après le petit Paul brioché, le petit Paul décoration de bûche et les petits Paul sablés, notre célèbre bonhomme se décline en moulage au chocolat au lait et la sucette éphémère s'inscrira dans la thématique du carrousel avec un ourson tenant un sucre d'orge. Une grande majorité des références d'emballage présentées ici ont déjà fait l'objet de réservations car elles nécessitaient un engagement prioritaire chez nos fournisseurs en raison des délais de fabrication. Toutes ces références sont indiquées en rappel dans la note achat jointe à la vidéo. Il s'agit de la deuxième et dernière année de mise en avant de cette charte carrousel, à prendre en compte dans la gestion des stocks. Passons à la dernière thématique de ce trimestre, l'épiphanie. Retrouvez les deux saveurs historiques et incontournables de galettes chez Paul, la pomme et la frangipane. La frangipane reste le cœur de nos ventes, avec son feuilletage pur beurre, sa frangipane pure amande et sa touche de rhum, mais la pomme permettra à nos clients d'alterner les saveurs et de plaire à tous. Cette dernière a été retravaillée cette année avec un grammage de compote de pommes plus généreux et une nouvelle compotée à base de pommes granny 100% françaises. Nouveauté, pour ceux qui le souhaitent, il sera désormais indiqué sur les fiches techniques des galettes familiales la possibilité de griner le verso des galettes en laboratoire afin d'obtenir une meilleure régularité à la cuisson. Pour être en phase avec la concurrence, nous recommandons vivement la mise en avant des galettes dès le début du mois de décembre. Les Français en sont friands, il est important de ne pas arriver trop tard. Aux côtés des galettes, les spécialités régionales, telles que Royaume et Couronne briochée, seront également à la gamme. Comme chaque année, la Couronne briochée 400 g en version surgelée est disponible à la réservation. Un dossier complémentaire vous sera envoyé en septembre concernant les fruits confits. Vous les avez découvertes lors des réservations anticipées, les fèves de l'épiphanie se mettent aux couleurs de la royauté avec une collection de couronnes impériales. Les sacs et les couronnes, quant à eux, gardent leur design intemporel pour faciliter la gestion des stocks d'une année sur l'autre en boutique. Vous connaissez maintenant les produits qui enchanteront nos clients du 1er octobre 2024 au 12 janvier 2025. À noter que cette opération fait l'objet de réservations. Nous vous souhaitons un très beau quatrième trimestre 2024.
Bonne vente à tous!